exhales. It not only affects your heart rate differently, but it gives me better source material to work with. Because when you're... It's because I'm when I'm moving and dancing, I can't produce the same... I'm not as calm, so that I don't have But I think it's okay to stop. Yeah. And focus on that element. No, I think it's better that I calm the gesture down to have the voice be more... This idea of being boxed in... and kind of powerless to the way that the world, like living in the Anthropocene epic, how we want to make change, but we've gone so far in kind of this destruction, so that feeling of boxed is kind of on a big scale, feeling powerless that way, but then also just being boxed in one's body, and the limits and the capacities of one's own body. And for me, like using the throat and the voice, that's like a strong point of communication, right? Like crying or words. And so there's this kind of struggle that comes through just like the voice or this need to be heard. So that's kind of for me like getting out of the box. For me, it's like that when we do that break, when I come back in, it's like a full block of sound that was not dialed in any way, but like it's like that is a very like all in, and then it deconstructs from there. So there is no place to go sonically from there for that moment. That's good. So it's just you have free rein to destroy what you want to destroy, and then I'm just following you in the deconstruction of it to get us back to our beginning point. Great. Okay. Just your voice, okay? It's spring today. Right? Oh, today the is day. The first day of spring. Jour de aujourd'hui. That's nice. Yeah. Because... Puis ici, on se pointe ici, c'est pour... J'avais juste l'idée de revenir visiter cette site où on a fait une première... Un deuxième essai, c'était juste notre deuxième, right? When we came and performed here. Yeah, c'était juste la deuxième fois qu'on reprenait la performance qu'on avait fait à Hochelaga, puis on voulait encore investir un espace un peu habité et croisé par beaucoup de monde. Donc, on avait aussi comme tous les aspects de croisement entre le industriel puis le naturel qui existe, mais aussi comme... tous les gens qui croisent par cet espace ici. Il y avait aussi comme une installation d'objets qui existaient déjà en entrant, puis c'est comme toute cette collision de choses qui nous a un peu piqué l'intérêt pour ce lieu. Mais donc, on a eu l'idée de revenir ici pour repasser, mais... On commence toujours, quand on se rencontre encore, un peu de revisiter. Nous, comme amis aussi, on est tous des amis, puis on se connaît. Ça, c'est super important aussi à le processus. C'est notre relation personnelle les uns les autres. Je pense que c'est toujours ça la première chose pour nous, c'est de retisser ces liens-là, puis ensuite embarquer dans nos questionnements où on en est par rapport au travail. C'est un travail qui nous bouscule beaucoup, qui nous fait poser comme un bagage de questions en tout temps. De scénographe un peu à avoir, c'est de vraiment comme être dans ce que l'espace me donne, ce que l'espace dit, puis ce que j'ai récupéré de toutes les performances qu'on a faites. Puis, c'est comme une collection, puis un ajout du nouvel espace où on est. Fait que Tangente, ben c'est un théâtre, fait que je vais... utiliser ce que le théâtre donne, ce qu'il cache dans ses armoires, ce qu'il y a sur le devis technique qu'on voit pas. Fait que c'est comme de rendre visible ce qui est pas visible. Puis ça, c'est quelque chose qui nous suit depuis le début. C'était une idée que Lucie a vraiment voulu explorer dès le départ. So, yeah. For me, it's a lot about like taking time to consider the unknown, or like the space that's, like Noemi says, the unseen. Definitely thinking a lot about
invisible connections or powers, for sure. Yeah, thinking a lot about natural elements and how that shapes my body and how my body shapes that. Yeah, it's like pretty fluid. I think the notion of